l'organisation du Royal de Montréal a décidé de faire les choses en grand pour leur première saison. Ils viennent d'annoncer que le stade Percival Motion serait le lieu de prédilection pour jouer les joutes à Montréal. Ce stade, c'est l'un des stades les plus spectaculaires pour pratiquer le football et dans ce cas-ci, le Ultimate au sein de la UDL. Allons questionner Jean-Livre Champagne pour en savoir plus sur ce choix. On sait qu'à Montréal, le stade le plus populaire, c'est le stade Percival Motion. Donc, dès le début, on a attaqué pour ce stade-là. On s'attendait à avoir beaucoup plus de facilité dans les négociations. Ça a été quand même plus ardu qu'on pensait. Je pensais réserver ça comme qu'on réservait la Ligue de printemps à l'époque, mais c'est un petit peu plus compliqué. Les tarifs sont plus élevés. Toutes les barrières à l'entrée sont plus compliquées à percer. Mais on est très satisfait. Aujourd'hui, on l'a pour diffuser les parties. On va les mettre sur Royal Ultimate TV. On va faire du montage en studio après. Donc, ça va être fou. Ce qu'on va produire comme vidéo pour les fans, ça va être top-notch. J'ai hâte de voir le résultat. Qui était Percival Motion? En fait, Percival Motion est un athlète qui a pratiqué plusieurs sports, dont le hockey. Il a même joué pour le Montreal Victorious et gagné la Coupe Stanley avec eux. Il a pratiqué également la raquette et le tir à l'arc. Bref, j'en invente, mais qu'est-ce qu'eux vont dire? Percival Motion, c'est le grand-père de John Molson, qui est fondateur de la bière. C'était un athlète, Percival, lui. Est-ce que tu crois que c'est A, un bûcheron, B, un serveur dans un restaurant de smoked meat, ou C, un constructeur, ou D, un sportif de bon niveau? B. Pourquoi? B. Merci, Mathieu. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. J'imagine qu'il est en lien avec l'Université McGill. Mais c'est tout ce que je pourrais dire. J'ai entendu, là. Je vois. Non, toi, tu penses qui, là? Le fondateur de Molson. Ouais, mes parents, ils ont triché un peu, là. Tes parents ont triché. Bon, tricheur, dans la salle. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes parents? Que c'était un athlète olympique. Ce n'est pas vrai, mais c'est pas grave. Tu es vraiment une personne, Percival Molson? Ou... Bad. Percival et Molson. Peut-être deux personnes, donc. Ben oui, je dirais ça, moi. C'est bon. J'imagine que Percival Molson est un athlète sportif qui a étudié à McGill. Bravo! Yeah. J'invite les gens de la Gaspésie à nous regarder sur YouTube. You're listening to Royal Ultimate Radio. Super!